Vous savez, vous, quand les choses commencent et quand elles finissent exactement dans la vie. Il n'y avait rien, et puis pouf, tout à coup, il y a quelque chose. Mais à partir de quand? Pourquoi commencer? Et pourquoi est-ce qu'il faut, à tout prix, qu'il y ait toujours un point de départ? Oui, et pourquoi se poser toutes ces questions? Est-ce que c'est pas là la seule question à se poser? Mais pourquoi la question pourquoi? Et pourquoi pas? Et alors pourquoi pas, et pourquoi pas pourquoi, et pourquoi pas, et pourquoi pas pourquoi pas? Comment se demander pourquoi sans en même temps se demander pourquoi se demander comment? Aïe aïe aïe, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ça va continuer comme ça jusqu'au bout? Vous auriez des philosophes dans votre famille? Eh ben c'est pas gagné. La mort a ceci de commun avec les vacances qu'elle détend. La mort a ceci de commun avec les soldes que tout doit disparaître. Que faire quand on se prend un « je t'aime » dans la gueule? Il ne faut répondre ni moi aussi, ni moi non plus, ni merci, c'est très aimable. Les marques d'étonnement du type « ah bon ? Non ! Tu veux rire ?» sont tout aussi inappropriées. Miam, gloops et slurp. Voilà les vrais fragments du discours amoureux. C'est bien que vous soyez là, hein ? Mais il faut aussi savoir se séparer. Je commence un petit peu à m'emmerder. Complètement malade.